Fort FM s'est rendu au Carreau, rebaptisé le Théâtre de Forbach suite à sa récente réfection. L'établissement accueillait le Festival du Jazz Manouche, qui s'est tenu du 10 au 11 juin. Bienvenue au Festival Jazz Manouche à Forbach. Les festivités débutent avec le groupe Forbach Project et Opus 4 qui ont enflammé le parvis du théâtre. Nous avons la chance de rencontrer deux invités de marque, pointure du jazz manouche. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est très heureux et honorés d'être au festival Django ici à Forbach, organisé par les Manouches. Dorado, c'est le parrain du festival cette année encore. Moi, je suis invité avec mon neveu, ce Steven Reinhardt. Toujours très honoré de venir jouer ici. On est un peu comme en famille. On fait la promotion quoi, de la musique de Django, le swing manouche. Et on espère qu'il y aura plein de monde. Et que ce festival y continuera d'exister, de s'agrandir, de perdurer. C'est la transmission de la musique de Django à travers son peuple, à travers nous tous les musiciens qui représentons sa musique en France et partout dans le monde. On voyage beaucoup, Dorado a fait le tour du monde X fois, moi une paire de fois aussi. Et tous les jeunes qui jouent ici cette année encore représentent le style et le représenteront, le porteront au-delà des frontières du monde. Et cette musique est vraiment appréciée partout dans le monde. Et si Django était encore là, il serait vraiment fier et heureux de voir l'impact, la trace qu'il a laissée et de l'héritage qu'il nous a transmis à nous, qui a fait qui nous sommes aujourd'hui, nous les musiciens de cette musique. Avant tout, je voudrais dire, pour moi, c'est un grand honneur vraiment d'avoir un guitariste unique au monde, Angelo Debba, un des plus grands guitaristes du jazz manouche. Je suis vraiment très fier qu'il soit là pour cette soirée qui va être une soirée, mais vraiment, ça va être magique. Ça va être une soirée magique et surtout avec Angelo, et qui est mon grand ami et qui est comme un frère pour moi. Ce soir, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la musique manouche. Et je voudrais remercier le maire, je voudrais remercier Popot et Benji. Je suis un peu ému, hein, parce qu'il y a des super musiciens. Et demain, la suite, il y aura aussi des très grands musiciens pour demain. Mais ce soir, pour moi, la star, c'est Angelo Debba. Voilà. Je vous remercie et je te remercie, Angelo, de tout cœur. Merci, mon frère. C'est un gros travail d'organiser ça. Merci aussi à la commune, bien sûr, d'accepter dans sa ville de nous aider à faire cette musique, à la montrer et l'offrir à tous ceux qui peuvent l'entendre et l'aimer. Merci à tous ceux qui ont travaillé à l'organisation de ce festival. Forêt FM. «
Une soirée qui met à l'honneur la musique de Django Reinhardt. Je vous souhaite à vous tous et à vous tous un très beau festival. Profitez bien.